Et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Santina et vous êtes bien sur mon vlog. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé, c'est de vous vloguer quelque chose de très important parce que nous avons Noël qui approche. Ouais! C'est que dans la ville où je vis, il y aura beaucoup d'animations pour Noël, comme beaucoup de villes, je pense, partout, un peu partout. Hein. Mais j'aimerais bien filmer ça parce que pour la première fois, je vais assister à ça. C'est tout simple, ça se passe tous les ans, mais moi, c'est ma première année dans cette ville. La ville où je suis s'appelle Winchester, et Winchester fut anciennement la capitale de l'Angleterre, mais vraiment à l'époque, dans les années, je sais même pas combien, mais je pense que je vais écrire quelque part. Donc c'est très charmant, c'est une ville très très charmante, et j'aimerais vous montrer en vidéo un petit peu ce qui se passe ici en ce moment à Winchester. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. Et je pense que je vais faire beaucoup beaucoup de vidéos à propos de Noël et à propos des événements qui arrivent en ce moment ici un peu partout. Vous vloguez un peu ma vie, mon quotidien, etc. Je vous emmène avec moi et on ira voir ça ensemble. Un petit montage pour vous montrer vite fait ce qui se passe et comment les gens vivent Noël ici quoi. Ça peut être intéressant. Alors je porte ça qui est une fausse fourrure, parce que je ne mets pas de vraie fourrure, parce que je ne mets pas de vraie fourrure. C'est tout faux, ça c'est sympa, c'est assez doux, et ça vient de H&M, c'était une collection d'il y a très très longtemps, je ne sais plus de combien, j'avais acheté ça quand j'étais en voyage, je ne sais plus où. Bref, et puis je mets un haut de chez Jennifer, puis je mets un pantalon taille haute de chez Primark, et c'est un vintage mom jean. Les bijoux, ça c'est tout normal, j'avais acheté ça à La Réunion. Le collier, j'avais acheté ça à Primark, je pense. Donc voilà, bon. Steve, salut Steve. On est en train de faire là, il y a une animation de ouf. On va voir ce qui se passe ensemble. Il y a plein de monde. Chocolat ou tu veux ça? Moi je veux. C'est des donuts en plus. C'est pas possible. Steve, il est trop accro aux donuts. Mais en tout cas, tu dois faire la queue. Tu sais, la queue, c'est tout ça. Moi, je crois que c'était les gens qui partent en ville, tu vois. Bah voilà la queue. Voilà Steve. Je veux plus. Il est content, t'es content ou pas? Alors Steve, c'est bon? Alors c'est comment? C'est bon, franchement c'est bon. Et ben moi ça va, parce que je vais pas finir. Je pense que j'ai jamais mangé des donuts comme ça. Vrais, tu vois. Ah. Mmh. Ça fond dans la bouche. Ça fond la bouche aussi, hein, c'est chaud.
d'en haut, j'aime bien. En plus, un peu salé et tout. Trop bon. Il faut savoir qu'il fait super froid. Moi, j'ai très froid en ce moment. Je suis pas encore bien équipée. J'ai pas de gants. J'ai pas de gants. Ouais, il me faut des gants parce que je commence à avoir super froid aux mains. Je vous promets, ces donuts là, c'est les meilleurs donuts qu'on a jamais mangé. Et pourtant, on n'a pas mangé beaucoup. Hein. Enfin, moi, j'en ai pas mangé beaucoup, mais si. C'est pas mal, tu vois, mais donuts de station, donuts plus donuts, des trucs un peu, tu vois, ça a rien à voir. Non, mais pourtant, plus donuts, c'est genre très connu, tu vois. Ouais. Attends, je m'accoupille. Ouais. Ah non, mais ça change. Ouais. Voilà. Mais je vous promets, c'est trop bon. Franchement, c'est super bon. Mais différent. En tout cas, on a bien, bien mangé. Ce que je veux vous dire, c'est que ici à Winchester, en fait, c'est Winchester est aussi appelée la capitale de Noël de l'Angleterre. Ouais. Les lumières sont allumées, du coup ça marque le début des festivités. Sapin de Noël là-bas qu'on va aller voir aussi. Et il y a plein d'animations qui... Parce que en fait on est qu'à deux quoi. Enfin, pour Noël ça va être un peu un Noël différent. Donc on va profiter à passer le temps dehors, à voir les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous on a l'habitude de passer Noël sous les tropiques, ouais. Dans la chaleur. Là on passe Noël vraiment dans le froid. Bon, on a déjà passé Noël dans le froid hein, il y a quelques années. Mais bon, voilà, c'est souvent impressionnant parce qu'on n'a pas grandi là-dedans. Il n'y a pas encore le marché de Noël. Le marché de Noël, il commence la semaine prochaine. En attendant, bah, on est là et Steve, il a fini les donuts. Et on va pas en reprendre parce qu'il y a énormément de personnes qui attendent. Enfin, il y a une queue, mais horrible. Donc, En plus, les donuts, ça a consommé avec modération. Ouais, voilà. C'est pas parce que c'est bon que... C'est mon diabète. C'est mon diabète, bref. Ouh, Christmas tree. En tout cas, les cafés sont pour ouvert. Oh, c'est ce qu'on va faire. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Un petit peu ridicule. On fait n'importe quoi. En fait, quand c'est Noël, c'est comme ça. On est là parce que tout le monde prend des photos avec le sapin de Noël. Mais... Et nous, on prend une vidéo des gens qui prennent des photos. Avec oui. Je vous promets, j'ai froid. Est-ce que vous voyez ou pas? Ah non, vous voyez pas. Est-ce que vous voyez qu'elle a froid, tu vois? Regardez, regardez. Non, j'ai vraiment froid. J'ai les doigts gelés. J'ai pas de gants. Regarde. Regarde ça. Regarde. Regarde ma main comment elle est glacée. Ah non. Non, ça va. Tiens. Ah oui, c'est vrai, ça va. Ça va. Non, ça allait, ça allait. Non, et là. Hey. Attends. Pas des coudis. Non, j'ai les froids. J'ai les froids à main. J'ai les mains froides. Donc voilà, bon, en tout cas c'est bien d'être dehors un petit peu parce que on est tout le temps à la maison ou sinon on est en train de travailler avec des gens. Ouais. J'ai déjà fait ma wish list mais genre mais je pense que je vais faire une vidéo un peu genre Noël then and now. Mais moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer mon Noël de l'année dernière et notre Noël de maintenant, ça va être bien. Ça va être un contraste. Ça va être un contraste vraiment vraiment différent. Ça sera. On n'était pas vraiment dans le chaud parce qu'on était quand même dans le froid l'année dernière pour Noël. Mais ah, c'était. Mais c'était pas froid comme maintenant. Ah, oui, non, ouais, c'est vrai. Sûr, c'est c'était quand même froid, froid par rapport à la Réunion, par rapport à Saint-André. Mais c'était complètement différent. Donc je pense que je vais faire ça. Et là, en fait, c'est incroyable de voir comment tout le monde est en train de stresser déjà pour les cadeaux de Noël. Je vois les gens en mode « Have you done your Christmas shopping yet ?» C'est là que c'est bien de ne pas avoir d'amis, tu vois. C'est ouais, trop cool, nous, tu vois. On n'a pas d'amis. Tout le monde en mode « Have you done your Christmas shopping ?» J'ai en mode « Pas besoin. On n'a pas de Christmas tree. » Et je sais pas si on en aura un. Peut-être qu'on aura un mini. Peut-être qu'on va faire un Christmas trépied. En tout cas, moi, pendant Noël, ce que je vais faire, c'est que je vais créer plein de souvenirs. Plein de vidéos pour vous, à propos de plein de sujets. Donc voilà. Steve, quand il va revivre, il fera des vidéos aussi. Parce qu'il est un peu mort en ce moment. C'est non, là, il faut changer. Le changement, là, c'est maintenant. Je pense en Hollande. Non, c'est... Ok.
Nice. Les gens sont gentils ici, hein. Ouais, ils sont cool. Alors que y a des endroits là, même à la Réunion là, tu fais des photos en mode eh, mais pas moins, mais pas moins. On dirait c'est des stars, tu vois, on s'en fout d'eux, on ne veut pas eux. Mais pas moins, mais pas sur Facebook. Ah, sur Facebook, mais pas sur Facebook, mais pas sur Facebook. Ouais, ça fait longtemps que je parle créole. Donc, l'année 2019 n'est pas encore finie, donc vous avez encore le temps de préparer vos projets, faire ce que vous voulez. Le changement, c'est maintenant. C'est. Mais on va dire ça, le changement, c'est maintenant. Non, non, c'est vrai, parce que là. Bref, nous, on a faim. Enfin, c'est pas qu'on a faim, mais on doit préparer à manger oui, ou on si doit on préparer faim, à manger. On a trouvé ce qu'on doit manger ce soir parce que les donuts c'était bien bon, mais c'était genre. Non, c'était bon, mais tu peux pas manger trop de donuts, tu vois. Et puis j'ai mangé que deux moitiés, donc ça veut dire que j'ai mangé un. Ouais. Du coup, ça va aller. C'est pas bon pour ce soir, quoi. Let's go. Enfin, ouais, mais oui, mais y a plus. J'ai pas envie de faire du riz, donc on va aller acheter. Bien, ça a le goût de champomie. Si vous venez ici, vous demandez à boire du appetizer, c'est à base de pommes. C'est un peu sparkly, c'est un peu fizzy, c'est-à-dire qu'il y a des... Comment on dit ça en français? Bulles. Il y a des... Oui, des bulles, mais comment on dit quand c'est sparkling? C'est gazeux, c'est gazeux. Il y a du gaz, et voilà. Donc Steve, tu peux ouvrir le mien. J'avais envie de boire un truc glacé, et pourtant, à la vôtre. Le tien, lequel c'est le mien. C'est bon, hein? Ouais. En plus, c'est que du jus de pomme concentré, tu vois. Oh non, sparkle naturally with appetizer. 100% real fruit juice. 100% du vrai jus de fruits, Steve.